J'ai découvert la musique de Rameau, évidemment, au travers de ses opéras, plus encore que par le clavecin, et toutes les pièces de ces opéras donnent envie d'être jouées lorsque l'on est musicien. Évidemment, Rameau étant lui-même organiste, mais n'ayant rien écrit, la justification venait tout de suite, en tant qu'organiste, d'adapter ces pièces à notre instrument. Les organistes sont un peu frustrés que Jean-Philippe Rameau n'ait jamais composé, justement, enfin n'ait rien laissé pour orgue. Or, aujourd'hui, avec ce travail qui sera rassemblé en 3 volumes éditoriaux, les organistes pourront enfin s'approprier Hippolyte et Aricie. Quand on écoute la fugue, on se dit qu'elle n'a été écrite que pour orgue, ou une ouverture comme celle de Pygmalion, qui est vraiment une ouverture pour le grand jeu français. Au XVIIIe siècle déjà, Balbâtre, qui était organiste à Notre-Dame de Paris et élève de Rameau, transcrivait déjà lui-même les pièces de son maître. Il en a d'ailleurs joué une ouverture d'un opéra, devant Rameau lui-même, dans une église de Passy. Et Balbâtre, qui était aussi l'un des premiers organistes de concert dans la grande salle du concert spirituel, jouait régulièrement les œuvres les plus connues de Rameau sur son orgue du concert spirituel. Bien sûr qu'un tel témoignage historique ne pouvait pas mieux tomber pour moi et donner toute l'envie de réaliser ce même type de travail. J'ai été précédé par quelques collègues qui ont ponctuellement déjà réalisé ce travail d'adapter quelques pièces à l'orgue, mais je pense que c'est la première fois qu'un ensemble de presque 60 pièces sont proposées aux organistes et au public. C'est donc un travail d'écriture, un travail d'arrangeur, d'adaptateur, mais dans un seul esprit, celui de faire sonner de manière grandiose un orgue classique français. Il y a eu quelques tentatives contemporaines, plus ou moins récentes, d'adapter certaines pièces de Rameau, mais jamais de façon aussi vaste et recueillie en quelque sorte sous forme de suite. L'ensemble de ces pièces est donc regroupé, comme à l'époque, par tonalité. Et à l'intérieur de chaque tonalité, l'organiste, la personne qui va bien vouloir jouer ces pièces, pourra organiser librement une suite, un ensemble de pièces qui, comme à l'époque, donnent une certaine variété et permettent d'offrir au public une suite de 5, 10, 15 minutes en fonction des besoins et en fonction des envies. Ayant réalisé ces adaptations pour orgue, les ayant édités, je les ai aussi enregistrés sur un très bel instrument, l'orgue historique de Sainte-Gabelle. Enregistrement dans lequel j'ai fait appel à un percussionniste. Pourquoi ? À la fois pour donner un tout petit peu plus de rythme à certaines des danses les plus enlevées de Rameau, mais également pour rendre ce qui se faisait déjà à l'époque, c'est-à-dire certains jeux de couleurs que l'on trouvait sur certains orgues, mais pas tous, l'imitation des rossignols, du chant des oiseaux, certaines clochettes typiques à certaines atmosphères, et bien sûr l'effet de l'orage qui aura tellement de succès au XIXe siècle. Mon ami percussionniste Henri-Charles Caget s'est donc livré à cette coloration des pièces d'orgue et cela donne un niveau supplémentaire de plaisir à l'écoute de ces pièces de Rameau. Ces pièces, bien qu'elles gagnent en couleur grâce aux percussions, sont tout de même des pièces d'orgue qui évidemment se jouent d'abord en tant que telles. L'idée de départ de ce disque est de trouver un instrument sur lequel Yves Rechsteiner puisse interpréter de façon crédible et de façon musicale les pièces de Rameau qu'il a si magnifiquement transcrites. Pour nous, Alpha, producteur de disques, ça correspondait à un moment où nous voulions lancer une nouvelle collection consacrée à l'orgue, centrée sur les instruments et sur les caractéristiques de tel ou tel instrument. Et il se trouve que là, l'adéquation était parfaite pour ce projet, puisque d'un côté, nous avons cette musique tout à fait originale et qui ouvre le répertoire de l'orgue, et de l'autre côté, on a un instrument très particulier, très très beau, qui est l'instrument de Sainte-Gabelle, qui nous semble parfaitement adapté à ce projet. Dans un projet comme celui-là, on se trouve dans un cas de figure très particulier et assez idéal, d'une certaine façon, puisque d'un côté, nous avons la partition, les transcriptions
réalisé par Yves Steiner et publié aux éditions du Champ du Monde. Et de l'autre côté, à travers le travail que nous avons réalisé à l'enregistrement, au disque, nous avons une espèce d'explication ou une illustration par le musicien lui-même de ce qu'il a mis sur le papier. Je veux dire par là que pour un organiste qui n'est pas forcément spécialiste du répertoire baroque ou initié à toutes les choses non dites qui sont le propre de la musique du XVIIIe siècle, pouvoir s'appuyer sur cette interprétation faite par Yves Steiner, je pense que ça éclaire beaucoup sur le style, sur la façon de jouer, sur l'ornementation, sur, en définitive, tout ce qui est au-delà de l'écrit et qui ressort de l'esthétique baroque telle que Rameau la vivait lui-même tout à fait naturellement en son temps. Chant du Monde, qui n'édite pratiquement que de la musique protégée et beaucoup de musique russe, a commencé à se constituer il y a quelques années un catalogue d'œuvres pour orgue, mais d'œuvres un peu originales, tournant autour de certains thèmes. Accueillir Rameau, l'un des plus grands organistes de son temps qui n'a jamais écrit, plus exactement qui n'a jamais rien laissé pour orgue, était pour nous une assez jolie façon d'étendre ce catalogue par une musique que sans doute de très nombreux organistes à travers le monde attendent. Jean-Philippe Rameau est un des plus grands noms de la musique française avec par exemple Maurice Ravel et les musiciens et en particulier les organistes du monde entier connaissent cette musique. Alors, il reste aujourd'hui aux organistes du monde entier à s'approprier, grâce aux travaux d'Yves Steiner, la musique de Rameau adaptée à l'orgue. C'est la raison pour laquelle on trouvera une préface extrêmement complète sur l'histoire, sur les registrations, sur les ornements en français et également la même préface très détaillée en anglais. Nous espérons effectivement une vaste diffusion pour une œuvre qui est tout à fait exceptionnelle.